Listen, I met a younger guy, and he don't want no kids, and he don't want to, listen, he don't want to deal with them. And so I'm dropping these kids off so me and him can live our life. We want to travel, we want to explore the world, and I can't do that with kids. Bon, Géraldine, elle a un plan. C'est dans sa tête, c'est vraiment clair. Donc bon, on va voir la vidéo entière pour voir tout le contexte. Mais déjà, t'as déjà un petit aperçu qu'elle a l'air quand même déjà, elle a l'air d'être déterminée. Bon, avant d'aller plus loin, je te rappelle que t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. En gros, c'est une formation où je te montre étape par étape comment créer ton business en ligne. Ok, avec l'intelligence artificielle. J'ai déjà aidé des personnes à gagner d'argent en ligne. J'ai déjà aidé des personnes à être indépendantes financièrement. T'as tous les témoignages. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. I'm not going to house yet. Why not? Hey, listen. Go on to the, just go sit on the porch. Hey, listen. What do you think you're doing? I'm dropping them off. You're good. Listen, I met a younger guy, and he don't want no kids, and he don't want to, listen, he don't want to deal with them. And so I'm dropping these kids off so me and him can live our life. We want to travel, we want to explore the world, and I can't do that with kids. My God. I can't. I cannot believe. It's time for me to be happy, and I just want to be happy and stress-free without these children. That's all I want. Then you should ask me, baby. I shouldn't have to ask. You are the grandparent. It's respect, Angel. It's respect. Well, I hope that you respect my decision on moving on my life with my new man and no kids. I'm not raising your kids. Well, I'm not either. Well, I don't know what to tell you because I'm not doing it. I'm just letting you know right now, I'm not doing it. These are your three kids. I'm tired of being a single parent. I'm tired. But you... When you have children, they become your number one priority. The one that laid down and made the decision to have three kids. That is not my responsibility. And this is the last time you're going to do this. You're not doing it anymore. It's your responsibility, not mine. Well, it was not my plan to be no single parent. Well, it's not my plan to be a grandmother that's going to take care of somebody's three kids because they feel like they're not responsible anymore, that they don't want to be a mother anymore either. Well, look. La fameuse phrase, ouais, moi tout ce que je veux c'est être heureuse. Donc apparemment ça c'est la phrase magique pour pouvoir ne plus avoir de responsabilité. C'est magique ça. Dès que tu dois assumer quelque chose, tu dis ouais, je veux juste être heureuse, c'est bon là. Allez les enfants, allez, va voir là-bas si j'y suis pour voir. Ouais, continuez, voilà, comptez jusqu'à 5. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux, Géraldine? Tu vois les retombées maintenant? On peut tous faire des mauvais choix, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de les assumer derrière. C'est là où, tu vois, je suis pas d'accord, Géraldine. Parce qu'à tout moment, le préservatif, ça fonctionne. Hein. En plus, je suis même pas sûr que ce soit un bon move par rapport au gars avec qui tu veux voyager et visiter le monde. Parce que qu'est-ce que lui, il va penser? Il va dire mère indigne. Enfin, j'imagine. Oui, mais il m'a dit qu'il voulait pas d'une mère célibataire. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'il veut. Alors oui, il veut pas d'une mère célibataire, mais je pense pas que quand il t'a dit ça, ça voulait dire qu'il voulait que tu les supprimes. Je pense pas que ce soit ça. Lui, il veut peut-être pas, c'est son choix, c'est standard. Il veut peut-être pas avoir une relation long terme avec une femme qui a déjà des enfants, mais ça veut pas dire qu'il veut que tu te débarrasses de tes enfants. Et là où tu vois qu'à un moment donné, elle est quand même elle est éveillée, c'est qu'elle arrive à avoir quand même la responsabilité chez les autres. Elle a dit, t'es la grand-mère, à un moment donné, faut que tu assumes. Ça, c'est fort, ça. Je comprends même pas pourquoi tu me dis, j'aurais dû te demander. Je veux dire, t'es la grand-mère, c'est tes petits-enfants. Bien sûr, j'ai pas besoin de te demander, est-ce que tu peux les éduquer ou pas? Et donc, du coup, on sait plus c'était le plan de qui d'avoir les enfants. La grand-mère a dit, attends, c'était pas mon plan d'avoir tes enfants et de devoir les éduquer. Elle a dit, moi non plus, c'était pas mon plan. Ah, aucun moment, mais c'était le plan de qui? D'où ils viennent ces enfants alors? On ne voit pas. Donc, vu qu'elle n'avait pas prévu d'être mère célibataire, du coup, c'était plus son plan. Donc, ça aurait été son plan si jamais elle était peut-être toujours restée avec le père. Là, ça aurait été son plan. Mais par contre, dès que ça part en sucette, c'est plus mon plan. C'était pas mon plan à la base. Non, mais on rigole, mais c'est. Ça devient grave. Je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est pour ça qu'il y a le mot responsabilité, Géraldine. Ça veut dire que les choses se passent bien ou que les choses se passent mal, on prend ses responsabilités et on assume les conséquences. C'est comme ça, c'est la vie. Je n'ai aucune information sur comment ça s'est fini avec ton ex, soit, mais dans tous les cas, ça ne change pas la donne. Décision, conséquence, responsabilité, la base d'être quand on est un adulte, en fait. C'est comme ça qu'on est un adulte. J'ai l'impression que certaines personnes ne veulent pas être des adultes. Et imagine les enfants, le traumatisme. Si jamais ils ont juste entendu la conversation, mais... De toute façon, même eux, ils doivent pas comprendre. Maman, tu reviens, tu... Hein? Oui, vous inquiétez pas, les enfants, allez-y. Oui, je reviens.
abuser. De toute façon, le monde est méchant, il faut qu'il le sache dès le plus jeune âge. Mais bon, c'est vrai que là, ça commence mal. Hein. T'imagines, à cours de récré. Elle est où ta mère? Elle est partie. Partie avec son gars. Ton père? Le père? Ton père? Non. Quelqu'un d'autre. Voilà. Elle m'a dit qu'elle va revenir peut-être. Voilà. Non. Les chansons. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton coin. Il y a un tout nouvel outil IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez le prompt et en quelques minutes, il vous crée une vidéo complètement éditée avec des images, une voix off, des transitions et des sous-titres. Voici la plateforme. En tant que personne ayant créé des vidéos de ce type en partant de zéro, son utilisation a juste été incroyable. Je te montre tout de suite ce que ça donne. La France, la Tour Eiffel, la mode et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français? C'est parti. D'abord, choisissez des ingrédients de qualité. Bon, je pense que t'as compris. C'est incroyable la vitesse à laquelle il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va littéralement changer. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez utiliser cette plateforme dès maintenant, gratuitement.